Bon, ok, je reprends. Donc, j'ai testé un truc. Bon, je peux pas augmenter d'XP supplémentaire, hein, de toute façon. Bon, et puis il y a des ghouls qui apparaissent de temps en temps. Alors, moi, je propose, c'est qu'on se tire par ailleurs. Ah, on va pas croiser les autres zozos là. On va passer par ailleurs. J'ai vu qu'il y avait un chemin plus loin. Voilà, là. C'est un labyrinthe. Encore? Ouais. Oh putain. Eh putain de sa race. Bon, ok. Bon, changer, va y passer ce passage. Excusez-moi. Bon, écoutez, je vais bypasser ce passage parce que je sens que ce combat est impossible. Puis j'ai le téléphone qui sonne. Donc, et ben, sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Ok, très bien, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate. Pas grand chose à dire, j'ai bypassé le combat. J'ai un peu triché parce qu'il était vraiment impossible. Même en bypassant, ça n'a pas été évident. Et j'ai essayé donc mon... Voilà, et donc mon héros donc ne peut pas passer au-dessus du niveau 7. Ça bloque systématiquement. Ok, d'accord, ça a l'air d'être ici. Ça a clairement l'air d'être ici. Oh putain, qu'est-ce que fout LOL? Ok, alors elle va se battre contre nous par désespoir. Oh non, putain, mon chat qui me fait chier. Bon. Je ne peux pas vous faire de mal, nous ne sommes pas ennemis. Vous le devez, je suis devant vous. En travers de votre route, je suis un obstacle.
est pas trop balèze. Elle est un peu balèze. C'est fait. Ok. Elle nous fait le coup de l'invocation également. On peut en faire plus, t'en fais pas. Aucune chance. Je veux juste voir si elle est bien morte. Tomoko, dégâts enregistrés 12, Tomoko mort. Voilà, ça c'est fait. Bon, le son est un peu désagréable du jeu là. Et c'est fait exprès, hein. C'est pour être un petit peu ténébreux. Ok, et nos créatures commencent à disparaître. Petite sauvegarde. Ça me semble pas mal. Ça n'a pas été une grosse attaque ce coup-ci. Ok, donc on est de retour, il fait sombre. Et si je me souviens bien, il y a des pièges ici. Vous êtes une bien étrange. Je me souviens pas. Alors, il faut surtout pas marcher sur le truc au milieu. Voilà, voilà pourquoi. Voilà pourquoi il faut surtout pas marcher. Non, désamorcé. Je ne crains pas la mort. Et vous? On peut pas les désamorcer. Le meurtre est l'œuvre de nos pères. Poursuivez-la comme je le fais. Quoi? Ok, la plupart des gouttes qui entourent le crâne sont piégées. Si au moins on les détecte. Il faudra surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui marche dessus pendant le combat. Ok. Il y a d'autres combats. Il y a d'autres. Oh putain. Ah d'accord, puis en plus ça disparaît de notre vue au fur et à mesure. Bon. Écoutez, on est arrivé au bout. Ok, on peut se reposer ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va sauvegarder. Final save. Donc, ce sera certainement notre...
notre dernier épisode, il aura peut-être mal fini avec notre XP pour, enfin no, notre réputation pourrie, les trucs comme ça. Mais on est arrivé au bout du jeu, comme je l'ai dit. Je vous avais promis que j'avais la persévérance pour y arriver jusqu'au bout. Il nous reste à tuer Saverock. Je crie peut-être un peu victoire un peu vite. Et si je pouvais éviter de, entre guillemets, tricher pour réussir à vaincre Saverock. Je vous cacherai pas que ça m'arrangerait. Mais je sais qu'il a beaucoup de vie. Allez, petite sauvegarde. Ok. Et on y retourne. Essayons de combattre ensemble. L'union fait la force. Angelo et Tazok sont contre nous. Ok. Ok. Oh non, ah non, 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 non. Là, je suis pas d'accord, là. Non, c'est pas possible, ça. Non, mais on est d'accord que là, c'est pas possible. Est-ce que les développeurs ont essayé le jeu avant de le lancer, sérieux? Oh putain. Ah, ça y est, je me rappelle maintenant. Je me souviens de la stratégie pour le battre. Je me souviens de la stratégie pour le battre. Chaud les marrons. Mais c'est faisable. Il faut juste ne pas rester là. On va reprendre l'autos. Non, 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 non. On va juste recharger. Je me souviens. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on aille là. Allez, on va juste se remettre en normal. Voilà. Attendez, je vais quand même essayer de le convaincre.
Ok, allez, on se tient. C'est fait. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ok, bon. Ça. Ouais. Ça rate. Bon, je me souviens, c'est ça. Hein. Faut back, et puis dès qu'on, et puis après c'est bon, quoi. Ok. Ou alors je me souviens plus s'il faut juste backer ou s'il faut juste. Attendez. Il y a même plus simple, je crois. Oui, bien sûr. Il y a juste un truc à faire. Attendez. Il faut juste avancer progressivement. Non, non. Putain. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez. Ok, pas eux alors. Cade. Je peux toujours essayer. Ah oui, autre chose. Juste, petit point rapidement. J'ai juste récupéré deux bagues de protection. Sur les. Donc, vous savez, l'attaque quasiment impossible. D'ailleurs, celle-là aussi est impossible. Seulement, celle-là, je peux la mettre à personne parce que tout le monde possède déjà les objets magiques. Voilà, donc tout le monde a soit une classe, soit une armure plus 1, soit quelque chose plus 1, des bracelets ou une connerie dans le genre. Voilà, c'est pour cela que je ne peux pas aller plus loin. Ok. Alors lui, pourquoi il m'a attaqué alors même que j'ai pas eu la discussion? Je me souviens plus. Je peux toujours essayer. Ok, il y a toujours le piège malheureusement. Alors, un peu plus approché. Ok. J'en ai assez. On va juste attendre que le piège se désactive. Je suis sûr qu'il doit se désactiver, arriver un moment. Bon. Le Katazok est mort. Ça peut être le coup de sauvegarder. Le piège n'est plus. Ok, très bien. On va juste sauvegarder. On va prendre. On va effacer une ancienne sauvegarde. On va écraser celle-là. Ok. Géant. On va juste récupérer les affaires de Caïd.
un peu trop lourd. C'est ça notre héros. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça. Ok, notre héros est full et on va le faire en plusieurs étapes. On n'a pas trop le choix. Rien d'intéressant. Allez, hop. Ok. On va servir de caïd hein, pour ça. On en a déjà tué un. Et j'ai pas regardé le stuff de. De la fille. Ouh, ça promet d'être intéressant ça. Ça aussi. Est-ce que tu peux analyser ça? Bouclier plus 1. D'accord, ok. Et ça. Armure plate complète plus 1. Oh la vache! Oh putain! Mais elle est épique cette armure! D'accord, je crois qu'il va falloir par contre que je renonce à ça. Je la mets au sol pour le moment, mais je la reprendrai. Putain, je gagne pas plus en fait. Putain, si je gagne 10, mais. Ok. L'armure plate peut aller à quelqu'un d'autre. Non, pas, je sais pas pourquoi j'essaye avec elle. Elle. D'accord, par contre, elle doit renoncer à son anneau. Ouais. Ça revient un peu au même, en fait. Bon, lui, il a récupéré l'anneau. Le précieux. Pardon. Oui, ça c'est une armure plate. Ah d'accord, ça c'est une armure plate plus 1 et ça c'est une armure complète. L'armure complète est peut-être mieux. Ouais. Ouais, mais il y aura Kaïd. On s'en fout. Bon allez. On va baquer. On va ressusciter Kaïd. Khalid, excusez-moi. C'est Khalid ou Kaïd? Khalid, hein. Khalid, on est d'accord. Bon, ben voilà quoi. Combien de temps on est? 20 minutes. On va se taper le trajet ensemble. En attendant, de quoi on peut parler? On peut parler pendant les trajets. De toute façon, c'est le dernier épisode. On aura certainement battu Severok. Severok est dos au mur. On peut facilement, je pense, le battre. Il n'y a plus qu'un seul de ses acolytes à tuer. Je pense qu'on va procéder comme ça. Le truc qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Je suis sûr qu'il y a un raccourci, mais... Attendez, je vais juste voir s'il y a un raccourci. Moi, je m'en vais. Mauvaise idée. Bon, il n'y a pas de raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci.
Tais-toi, y a pas de raccourci, je te dis. Bon. Attendez, parce que je me souviens même plus de la route là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Là, écoutez, je sais pas quoi vous raconter de comme bêtises pendant le trajet. Donc je pense plutôt qu'on va faire une coupure. Et puis bah je vous reprends tout de suite. On est à 25 minutes. Allez. À tout de suite. Très bien, ok. Donc nous revoilà. Frais comme des gardons. On est assez court en flèche malheureusement. Et sachez un truc les enfants, c'est que la réputation, ça se rachète. Tant que vous avez de l'argent, vous pouvez tout vous permettre. Voilà. Bon. Bon, par contre, avoir cette grognasse. Oui, j'ai pas trouvé d'autres mots là tout de suite là. En tête de groupe, ça me va pas. Ah là, ça c'est mieux. Bon. Non, je suis con moi. On refait la technique. Tu tech, tu niques. Bon. Il faut absolument qu'il revienne en arrière. Ok, il y a Angelo dans le secteur. Je sais pas où il est. Bon. Il est où? Putain. Bon. Ok. Absolument qu'il y en ait entre les deux. Allez, absolument pas relâcher. Il y a une faille là. Je gère pas assez la baguette. Bon. Savorok a chuté. La bataille est gagnée. Une dernière sauvegarde a été effectuée dans l'emplacement de sauvegarde finale.
Tous les personnages joueurs ont été exportés. Perso 1. Ok. Voilà, c'est donc la fin de Baldur's Gates. Je vous laisse sur ce superbe générique. Merci à Black Isle Studio, les développeurs de ce jeu, même s'ils ont pris pas mal de drogue et que le jeu est très dur. Que dire de ce jeu? Très bon, mais l'aléatoire est vraiment très agaçant. C'est un jeu qui peut être très amusant, mais également très très énervant. On passe vraiment de du rire aux larmes dans ce jeu parce qu'on a envie d'en chialer tellement ce jeu est dur. Mais j'ai réussi à finir le jeu. 2-3 triches. Très difficile de finir ce jeu sans tricher. Mais sinon, excellent. Voilà. Sur la superbe musique de Baldur's Gate. Cette musique est absolument géniale, j'adore. Rien à dire. Je vais me faire flaguer certainement. Je vais certainement me faire flaguer pour ce truc, mais je m'en fiche. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse quand même le nom des développeurs parce que c'est. Je vais quand même pas couper le générique juste pour que vous ayez les noms de l'équipe qui a dû travailler quand même très dur sur ce jeu. Les ennemis sont assez divers. J'ai pas parlé des ennemis, mais ils sont assez divers. Bon, même si l'essentiel du gameplay, ça consiste à bourriner comme un dingue, à utiliser la magie à bon escient pour avancer, parce que. Sans les baguettes d'invocation, franchement, et ne serait-ce que sans le shit de l'argent, le jeu, franchement, n'y serait encore, mais qu'au début, quoi. Voilà. Donc, gros point noir de ce jeu, c'est la difficulté. Mais sinon, c'est un jeu qui a un très très gros potentiel. Bien qu'il soit assez ancien. Hein. Les graphismes sont géniaux, idem pour les musiques.
L'histoire est pas si mal. L'histoire est même excellente. Il n'y a pas à dire. Voilà. Bon, il y a eu apparemment beaucoup de participants hein, pour développer ce jeu. Je sais pas si je ferai le 2. Sincèrement, je pense faire une grosse pause avant de faire le 2. Quoi qu'il en soit, voilà. Bah écoutez, cette série sur Baldur's Gate s'arrête ici. Je suis très heureux d'avoir fait cette aventure avec vous. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, n'hésitez pas à conseiller ces vidéos à vos amis. Je vous rappelle que je ne gagne pas d'argent avec ma chaîne YouTube, que mon serveur Minecraft notamment, mon activité d'auto-hébergeur même en général, c'est-à-dire les sites web qui sont liés, tous ces trucs-là, ne vivent que grâce à vos dons. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit, et si vous pouvez, bien évidemment, à faire un petit don, soit par PayPal, soit par d'autres systèmes que j'ai mis en place. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site mindsurf-mdj.fr.nf. Dans la session don, tout vous est expliqué. Il y a également MyLandCraft que vous pouvez visiter, éventuellement booster un joueur pour augmenter sa popularité. Et donc les allopasses servent à rémunérer le serveur. Voilà. Donc eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette série vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Petit bonus vidéo, je tourne ça enfin oui, le lendemain où j'ai fini le jeu. C'était juste pour l'énigme du fameux Neb, vous savez, la suite logique 1, 2, 4, 7, 12, 20, et donc 33 qui est la réponse à l'énigme. On a cherché avec des amis, et donc on a trouvé la suite logique. Donc voilà le calcul. Donc si vous n'avez jamais fait de suite, parce que souvent on en fait au lycée, et je sais que la plupart d'entre vous sont assez jeunes. Donc le résultat, c'est, donc je vais l'écrire comme ça parce que c'est des exposants et des, voilà, c'est des exposants et des, bah c'est essentiellement des indices. Alors UN, donc qui est donc le résultat. Donc je suis désolé, j'ai pas de tablette graphique, je fais ça au tactile hein, comme d'habitude. Est égal à U. Non, est égal à. Je me plante. C'est pas ça, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Donc c'est égal à. Deux fois. U. N moins 1. Hop, moins UN moins 3. Voilà, c'est le calcul, c'est la raison, ce qu'on appelle la raison de la suite. C'est simple, on va prendre le résultat. Par exemple, on va prendre simplement 7, par exemple. Donc, UN, c'est 7, c'est ce que l'on cherchait.
à la base. Donc 7 c'est égal à donc à 2 fois. À 2 fois donc le nombre précédent, donc 4, 2 fois 4, moins le nombre qu'il y avait avant, mais le troisième nombre avant dans la suite. Ça veut dire si donc quand on part de 7, un égale 7. Donc on a oups, ouais bon. On a donc un moins 1 c'est 4, un moins 2 c'est 2, et un moins 3 c'est 1 en fait. Donc on va avoir 7 est égal à 2 fois 3 moins 1. Voilà, et vous pouvez vérifier, c'est ça, donc 2 fois 4, 8, moins 1, 7. Donc c'est ça. Si on part avec 12, donc 12 c'est égal à donc à 2 fois 7. 2 fois 7 moins. Attendez, moins 2, simplement. Voilà, on peut vérifier. Donc 2 fois 7, 14. Moins 2, 12. Pour 20, je tout ce que vous voulez démontrer. Il y a que évidemment, pour les 4 premiers, le moins, en fait, c'est 0. Mais sinon, c'est ça. En fait, si on part de un moins 1, ouais, c'est 2 fois 0 moins 1 en fait. Donc c'est un peu compliqué quand on part sur le début, mais quand on est sur la suite, on comprend. 20 est égal à 2. Donc bah, simplement, vous avez compris, 2 fois 12 moins 4. C'est ça. 2 fois 12 moins 4, donc ça fait 24 moins 4, ça fait 20. Et donc, évidemment, donc, quand on cherchait 33, donc c'est quoi est égal à 2 fois 20 moins 7. J'ai dit moins 7. Donc 2 fois 20 égale 40, moins 7 égale 33. Donc le résultat, c'était bel et bien 33. Si on veut continuer dans la suite, on a donc le nombre suivant, ça va être 33 fois 2. Enfin, 2 fois 33, on va rester sur la même logique. 2 fois 33 moins... Et donc le résultat, le troisième résultat avant celui-là, c'était 12. Donc 2 fois 33 fois 12, ça fait 66 moins... 12, 66 moins 12, ça fait du 54. C'est ça, oui, du 54, oui. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Donc la suite, c'était après 33, si on voulait continuer la suite, c'était 54. J'ai peur de dire une bêtise là. 66 moins 12, si, c'est ça, c'est 54. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Ah, donc, pour les premiers, par contre, c'était un peu plus embêtant, évidemment, à déterminer. Par exemple, le 1, si on part de 1, donc on a le. Ça fait qu'on a 2 fois 0. Et moins. Et qu'est-ce qu'il y a avant 0? Il y avait moins 1 en fait. Donc il faut partir comme ça dans l'idée. Et si vous ne l'avez pas vu, moins quelque chose, ça fait plus quelque chose en fait. Donc voilà. Donc moins de moins 1, ça fait 1 en fait. Donc au départ c'est pour ça que c'était un petit peu embêtant à trouver comme calcul, mais la suite c'est bien ça. Donc c'est donc le nombre que l'on veut c'est égal à 2 fois le précédent moins l'avant-avant précédent. Oui c'est ça. C'était surtout n-3 qui était pas évident à trouver. Pour savoir que 12 ça valait 2 fois ça moins ouais c'est ça moins 2 parce qu'on recule de 3 chiffres franchement c'était franchement pas évident mais voilà vous avez maintenant la solution à cette énigme donc et ben sur ce ben j'espère que cette vidéo vous a plu et puis sur ce je vous dis à bientôt.